Nous vivons tous les jours dans un paysage familier, mais au cours de nos déplacements, qu'ils soient professionnels ou de loisirs, il nous arrive de croiser parfois des paysages méconnus. Parfois, notre regard s'attarde alors sur un détail, une harmonie. À d'autres moments, par contre, nous ne percevons pas les différences ou les particularités de tel lieu, de tel habitat. Aujourd'hui, nous sommes en Lorraine. Petit rappel, la Lorraine se divise en deux sous-régions, avec d'une part à l'ouest la Gaume, qui comprend le pays de Virton et le pays de Florenville, séparés par la forêt gaumaise, et à l'est le pays d'Arlon. Cette série de quatre émissions a pour objectif de nous inviter à mieux regarder, à mieux lire les paysages qui nous entourent. Lire, c'est d'abord identifier des éléments significatifs, comme par exemple une façade, une rue ou une structure de village. Ensuite, il s'agira d'interpréter les relations significatives qui existent entre ces éléments. Exemple, pourquoi les villages lorrains adoptent-ils une structure en village-rue? Pour nous aider dans cette démarche, nous avons fait appel à un géographe, Dimitri Belaïev, qui nous servira en quelque sorte de guide tout au long de ces émissions. Mais à côté de cette lecture analytique, il en existe une autre, celle de l'artiste. Une lecture peut-être moins réaliste, le réel est souvent transformé par l'imaginaire. Nous parlerons de tout ça aujourd'hui en compagnie d'un dessinateur, Jean-Claude Servet, qui nous accueillera chez lui et qui nous fera partager sa vision de la Lorraine. Mais pour le moment, il est temps de rentrer à l'intérieur du village et d'en faire une première lecture. Quand on rentre dans un village, on est évidemment tout de suite attiré par les bâtiments, particulièrement celui-ci, avec sa couleur qui dénote par rapport à la couleur dominante du village de Torny. Alors, ces bâtiments, on va pouvoir les observer et induire à partir d'observations toute une série de constats qui vont nous permettre de comprendre qui sont les gens qui vivent dans le village aujourd'hui et qui étaient ceux qui vivaient dans le passé. Donc en somme, en décortiquant chacun des éléments de cette façade, de cette maison, eh bien on peut reconstituer son passé. Tout à fait, parce que dans le passé, on pratiquait une architecture vraiment fonctionnelle, c'est-à-dire que chaque ouverture avait une fonction bien particulière, et on peut donc reconnaître les différentes parties du bâtiment. Mmh. Alors, on reconnaît tout de suite une partie qui attire le regard, c'est une partie avec une porte bien décorée, avec de nombreuses fenêtres. C'est donc manifestement la partie occupée par la famille de l'agriculteur, c'est ce qu'on va appeler le logis. À côté de ça, on va voir deux portes de la même taille, des portes piétonnes, divisées d'ailleurs en deux dans le sens vertical. C'est donc là, véritablement, les portes d'étable, portes d'étable ou d'écurie, puisque dans le passé, le cheval logeait avec les vaches. Voilà. Ensuite, il y a bien sûr la grande porte ici, qui est ce qu'on appelle une porte charretière, qui est donc une porte qui donne accès à la grange. Mmh. Il faut imaginer qu'on rentrait par cette porte, un chariot chargé de gerbes de céréales, qui étaient alors stockées dans ce qu'on appelle les gerbières, de part et d'autre de ce passage charretier, au-dessus des étables. Et enfin, le bâtiment se termine par une troisième étable. Donc on peut dire ici qu'on a véritablement cinq parties dans le bâtiment, ce qu'on appelle des cellules chez nous en Wallonie. Donc on dira que c'est un bâtiment à cinq cellules, un bâtiment pluricellulaire. C'est ça. Et donc je suppose que cette famille qui vivait là était une famille d'agriculteurs un peu plus aisée que les autres dans le village. Oui, donc manifestement c'est déjà une grosse exploitation. En tout cas, dans le passé, une grosse exploitation, c'est une exploitation d'une vingtaine d'hectares. Oui. Et donc on voit qu'il y avait trois petites étables. Donc on peut estimer que dans une étable comme ceci, on met cinq ou six vaches. Donc on a globalement une vingtaine de vaches. Et le volume de la grange nous indique évidemment la quantité de céréales qu'on pouvait y rentrer. Alors, quand a été construit ce bâtiment-ci? Alors, ici, ce n'est pas difficile, puisque au-dessus de la porte du logis, on voit ce qu'on appelle un millésime, 1838, ce qui est d'ailleurs une période tout à fait courante, puisque nous sommes là en pleine croissance démographique. Donc, il ne faut pas s'étonner de voir un maximum de bâtiments datés de cette époque-là. Mais ça ne veut pas dire que ce village a été construit à cette époque-là. Le village est bien antérieur. Bien sûr que non. La plupart de nos villages ont pris naissance aux alentours du 9e siècle, mais les bâtiments qui ont existé à cette époque-là étaient des bâtiments construits en matériaux légers, construits en colombage, oui. Et ce colombage a été remplacé par des matériaux durs, par des pierres, à partir du 18e siècle, notamment pour des raisons de sécurité, puisque, bien sûr, l'incendie était fréquent dans des bâtiments en colombage avec des toits de chaume. Et donc, voilà ce qui explique pourquoi nous n'avons pas de bâtiments plus anciens que le 18e. Alors on voit qu'en fait la maison n'est pas située de façon parallèle à la rue, il y a une raison à cela? Oui, alors on le voit bien à cette heure-ci de la journée, on voit la façade est merveilleusement bien éclairée. Oui. Et donc ce que les villageois recherchaient, c'est avant tout la meilleure exposition. Alors la meilleure exposition, c'est le sud-est, de manière à profiter de la première lumière du jour et de la première chaleur du jour. Par contre,
lorsque le soleil va devenir un petit peu trop violent, dans le courant de l'après-midi, la façade va se mettre dans l'ombre. Il faut dire que dans le passé, évidemment, il n'y avait qu'une pièce qui était chauffée. On voit la souche, le cheminée, et même dans le logis, uniquement la cuisine. C'était le modèle le plus fréquent dans les villages, ces petites maisons, par rapport aux exploitations moyennes qu'on a vues tout à l'heure. De nouveau, ici, la façade nous révèle les fonctions de la maison et par conséquent, le type d'habitant qui l'occupait. Alors, on retrouve d'abord une première partie qui ressemble un peu à ce qu'on a vu dans la ferme précédente, avec une porte piétonne, une fenêtre au rez-de-chaussée, une fenêtre à l'étage. C'est donc manifestement la partie logis du bâtiment. À côté de ça, sur la droite, on retrouve une porte piétonne associée à une toute petite fenêtre, typique de l'étable, avec au-dessus une ouverture qui est décalée par rapport à la fenêtre de la chambre. C'est en réalité un ancien fenil. Donc, la personne qui vivait dans ce bâtiment-ci ne cultive pas. Il n'y a pas de grange, donc on ne stocke pas de céréales dans le bâtiment. Donc, en somme, elle cultive pour le compte d'un autre. Voilà. C'est donc véritablement la maison de l'ouvrier agricole, celui qu'on appelle le manouvrier, qui va louer ses mains dans les exploitations moyennes et qui a comme complément de subsistance un petit peu d'élevage qu'il peut faire grâce à un système d'élevage communautaire, puisqu'il n'est pas propriétaire de prairies. Avec d'autres manouvriers à ce moment-là ? Avec l'ensemble des manouvriers du village. Il va confier son bétail au troupeau commun, sous la conduite d'un berger communal, et ce troupeau va aller pâturer sur les terres communales, dans les bois, dans les landes, qui se trouvent dans le finage du village. Alors, une des particularités de ce village, c'est que les maisons sont assez mitoyennes et possèdent un alignement pas tout à fait droit par rapport à la rue. Oui, donc on voit effectivement qu'elles sont toutes un petit peu écartées de la rue, en tout cas de la partie réservée aux véhicules, la chaussée, mais ce n'est pas constant. Donc il y en a qui sont fort écartées, d'autres qui sont moins écartées. Alors on a donc une sorte d'avant-cour qui apparaît devant les bâtiments. Cet avant-cour, à quoi sert-il ? Il sert à stocker le fumier. On voit encore les murets qui montre l'endroit de ce qu'on appelle les fumières, qui délimitent. On voit effectivement qu'on pouvait y stocker du charroi. Aujourd'hui, il y a des voitures qui sont parquées. On y stockait du bois. Et cet espace dégagé devant les bâtiments, c'est ce qu'on appelle un usoir. Oui. Alors ça peut paraître un petit peu particulier, ce tas de fumier devant les maisons. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas été stockés derrière la maison ? Alors évidemment, à partir du moment où les bâtiments sont mitoyens, l'accès à l'arrière du bâtiment est très, très difficile. On ne peut plus y accéder que par les portes piétonnes. Et donc, il était indispensable d'avoir à l'avant du bâtiment une aire de stockage des différents matériaux dont on avait besoin. Et donc, ça donne une structure au village qui est tout à fait particulière. Cet alignement des bâtiments avec les usoirs qui séparent les bâtiments de la voie de circulation. Et c'est ce qu'on appelle souvent ici en Lorraine les villages-rues lorrains. Alors, il y en a des très beaux exemples, notamment à Auflans, à Signy-Montlibert, où là, on peut encore voir véritablement les usoirs en fonction, avec stockage du bois, du fumier, etc. On vous le disait en début d'émission, il nous semblait aussi intéressant d'avoir un petit peu le regard d'un artiste par rapport à sa région et par rapport à son environnement. Et aujourd'hui, c'est le dessinateur Jean-Claude Servet qui nous accueille chez lui. Jean-Claude Servet, le moins qu'on puisse dire, c'est que dans toute votre œuvre, en fait, la Lorraine est toujours très très présente. Oh ben oui, de toute façon, bon, je vis dans ce pays-ci, je vis en Gaume. Je n'y suis pas né parce que mon père a eu du travail à Liège, c'est comme ça que je suis né à Liège, un peu par accident, mais je revenais en vacances ici chez ma grand-mère, j'ai des souvenirs de pêche, de balade à vélo avec les copains, et à partir du moment où j'ai décidé de faire ce métier d'auteur de bande dessinée, j'étais déjà attiré par tout ce qu'il y avait dans le patrimoine de la région. J'ai commencé à lire des légendes sur cette région. J'ai fouillé un peu dans le grenier de ma grand-mère, j'ai trouvé des vieilles cartes postales, des vieilles photos, des vieilles cartes postales. J'ai trouvé plein de choses qui m'ont permis de créer mes premières bandes dessinées.
Et comme j'ai tous mes décors ici à portée de main, j'ai vraiment pas besoin d'aller très très loin. Je vais pêcher à gauche et à droite, je prends un élément à un endroit, un autre à, dans un autre village, et je recompose des villages comme ça, qui sont peut-être plus riches que dans la réalité, parce qu'on n'a peut-être pas tous des éléments aussi beaux, aussi forts que ceux que je peux présenter dans une seule bande dessinée, sur un seul lieu. Mais j'ai des petites préférences pour certains endroits. Lorsque je fais une balade à vélo, ou en voiture, ou à pied, je repère des éléments. Et quand j'écris une histoire, c'est toujours en fonction d'un décor que je connais bien, forcément. Est-ce qu'on pourrait dire que, si par exemple vous habitiez toujours à Liège, comme pendant votre enfance, est-ce qu'on peut dire que vos histoires pourraient très bien se situer à Liège, ou est-ce que la Lorraine est quand même un peu particulière ? Non, parce que toute ma famille est d'ici, il n'y a rien à faire. On est gaumés dans le sang. Ma mère, elle est de cette maison, donc ici à Jamoigne. Mon père était du Patelin au-dessus, à Tintigny, à 7 km. Je revenais en vacances ici chez ma grand-mère, donc j'ai des souvenirs de Gaume. Et pour moi, cette Gaume, la nature, ces petits villages avec la forêt à proximité, les grandes pâtures, la rivière, tout ça est très 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 important. Et ce sont mes décors dans la bande dessinée, mais ce sont mes décors de vie. Je crois que les deux vont ensemble, c'est indissociable. Est-ce qu'on pourrait dire, par exemple, que vos personnages sont totalement indissociables de leur environnement ? Je pense que si je les situe dans ce décor-là, ils sont vraiment en osmose avec le décor et ils font partie du monde rural. Bon, je ne dis pas que c'est vraiment, vraiment spécifique, je ne suis pas un régionaliste à la virgule près de telle ou telle chose, parce que bon, il faut quand même bien se rendre compte qu'une bande dessinée s'est tirée à des dizaines de milliers d'exemplaires, donc ça doit être lu, c'est lu au Canada, c'est lu dans les pays d'outre-mer, donc il faut que ça reste quand même universel. Mais je crois que je parviens quand même, en vivant ici, à bien saisir tout le climat de la vie d'un petit village de campagne, de la vie à la forêt, de la vie du monde agricole. Donc tout ça fait que je parviens à le retransposer dans mes bandes dessinées, tout en y vivant. Est-ce qu'il y a un rejet pour vous des paysages actuels ? Parce qu'on a l'impression quand même dans vos bandes dessinées que ce sont des paysages un peu d'antan. Ah, c'est idéalisé, parce que bon, si vous prenez des images de ma rue, par exemple, tout était bétonné, termaqué, alors qu'avant, c'était un devant de porte avec de la verdure, l'usoir, comme on dit chez nous en Gaume, hein, parce que tous les villages sont des villages-rues avec les maisons qui se touchent les unes aux autres. Il y avait un espace devant, hein, sur le quai, qui appartient à la commune, et sur lequel on déposait le tas de bois, et puis il y avait la route au centre. Bon, maintenant, tout a été tarmaqué, bétonné. Avant, il y avait des arbres, tout a été coupé. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Et il est évident que dans mes bandes dessinées, j'essaye de recomposer plus l'image d'autrefois à ce niveau-là, parce que c'est plus beau, c'est plus idyllique que de dessiner des poteaux en béton et du tarmac. Ça, c'est évident. Est-ce qu'on peut dire que vous avez une préférence pour la Lorraine française ? C'est-à-dire que les paysages sont préservés là-bas. Lorsque vous passez la frontière, vous avez l'impression de vous trouver presque un siècle en retard. Enfin, en retard, un siècle avant, je ne vais pas dire en retard. Mais en Belgique, on a essayé de moderniser. En France, c'est resté tel quel. Si vous allez voir à Viotte, les maisons, on a l'impression qu'elles n'ont pas bougé. La forêt, les pâtures, sont restées des petites pâtures avec des petites haies. Tandis qu'en Belgique, on a plutôt agrandi. On a bétonné, termaqué, on a fait des ouvertures dans les maisons, on a agrandi les fenêtres, on a mis des portes en plastique. En France, ça n'existe pas, heureusement. Et alors, il est évident que pour avoir un ensemble, la France est plus intéressante. Eh bien, Jean-Claude Servet, un tout grand merci. En tout cas, on a abordé avec vous la structure des villages, de la région. On va s'attarder maintenant à la maison traditionnelle de la Lorraine, une maison construite en pierre et recouverte d'un enduit. Quelle était alors la fonction de cet enduit ? Les couleurs ont-elles une symbolique ? Comment prépare-t-on l'enduit et comment l'applique-t-on sur les murs ? On va essayer de cerner un petit peu le problème et de répondre à ces questions en compagnie d'un artisan. Alors,
rôle de l'enduit, il a deux fonctions généralement. Il a une fonction de protection et il a une fonction de décoration. La protection, ça assure une protection au plus bas temps, étant donné généralement que le matériau utilisé est un matériau très poreux et qui est très absorbant au plus bas temps. En Lorraine, une pierre locale. Une pierre locale en Lorraine est une pierre de sable et qui absorbe pas mal en plis battante. Ainsi, ça assure une protection, une qualité de vie dans le bâtiment. Est-ce que l'enduit permet à cette pierre de respirer? Tout à fait. L'enduit doit pouvoir transpirer et éliminer cet excédent d'eau dans la maçonnerie. Au niveau décoratif, qui est la deuxième fonction, je suppose que ça doit mettre en valeur le bâtiment ainsi que sa structure. Exactement. On peut considérer qu'il y a trois points importants. Dans la décoration, la granulométrie de l'enduit suivant l'épaisseur qu'on peut mettre en valeur. Le sable, généralement qui est un sable régional qu'on peut exploiter comme colorant. Ainsi que les ocres naturelles suivant le type d'enduit que l'on fait. Granulométrie, ça veut dire l'épaisseur de cet enduit. Suivant le type d'épaisseur d'enduit, vous avez un grain qui est en fonction de l'épaisseur. Et ce grain, vous le mettez en valeur. Ça, c'est une technique qu'on utilise pour lui donner une décoration un peu plus importante, point de vue aspect. Et pourquoi cette épaisseur importante? L'épaisseur d'un enduit est en fonction du type de matériau utilisé à la construction. Du support. Le support, si c'est une pierre, l'enduisage est plus important que sur un support brique. Je pense qu'actuellement, on voit souvent, je veux dire, même en Lorraine, des enduits au ciment. Exactement, oui, qui est un enduit très hydraulique, pour avoir une protection plus battante, plus importante, ou par son épaisseur aussi. Mais ce n'est pas ce que vous employez, vous? Personnellement, non. On utilise les enduits à la chaux. Ça donne une autre qualité à la transmission de vapeur d'eau et une certaine souplesse à l'enduit. Et une autre technique, je pense, c'est le badigeon. Le badigeon est une décoration qui est plus souple, plus transparente. Le matériau de construction doit être encore un peu plus dur. Ici, nous sommes à Liège, en fait, sur un de vos chantiers actuels. Mmh. Est-ce que la technique employée est la même qu'en Lorraine? Exactement, la technique de mise en œuvre est toujours en pleine. Nous utilisons toujours la technique à l'ancienne, qui est la préparation du support, le purgeage de la maçonnerie, le sous-enduit, la technique à l'ancienne, avec une reprise en finition. C'est un enduit que vous préparez vous-même? Principalement, oui. La coloration. La coloration aussi, oui. Avec des pigmentations naturelles. Une pigmentation naturelle qui est l'ocre utilisée, ou la terre de sienne, mais qui est toujours en base de colorant naturel. Ici, on voit en fait la première couche. On appelle ça un goupté, un renfourmé, c'est-à-dire on a purgé les joints, on a éliminé toute la salinité qui était sur le support, et on refait le rejointoyage tout en mettant la première couche, qui est le goupté. L'étape suivante? L'étape suivante, ça va être une étape construite pour faire une reprise pour notre deuxième couche, qui sera la couche de finition. Voilà, ici un autre chantier, je dirais, une autre technique. Ça, c'est une technique qui est utilisée sur les grands murs, à la machine, et qui est une technique un peu plus rapide. Et là, on voit le guignitage, qu'on appelle ça, la projection de l'enduit, qui est mélangée dans la machine et qui est transférée via des tubes et qui monte directement au mur. Ici, c'est le lissage, je pense. C'est-à-dire, on a déjà la finition, là, on rille l'enduit, on passe à la spatule et puis on le resserre, on le taloche en finition éponge. Si on peut reconnaître un village lorrain, ses fermes tricellulaires, mitoyennes et à sa structure en village-rue, on peut aussi maintenant analyser l'implantation du village dans son site. Où se localise-t-il, par exemple, par rapport à la pente ou par rapport au cours d'eau? Mais pour tout cela, il nous faut maintenant sortir du village, nous éloigner quelque peu et trouver un endroit qui nous permet d'avoir une vision panoramique sur l'ensemble du paysage. Et c'est là que Dimitri et Isabelle nous attendent. Alors, Monsieur Belaïef, maintenant nous nous sommes dirigés vers l'extérieur du village de Torny. En face de nous, c'est la France, le village de Velaune. Ce village, on voit que les maisons sont toutes assez rapprochées. Quelle en est la raison? Alors, l'image qu'on a du village, c'est une image qui nous vient du 19e siècle.
pendant le 19e, on a eu une croissance démographique très forte. La population a multiplié en général par 3 dans les villages. Et donc, on va densifier les constructions à l'intérieur d'un périmètre qui pourtant est beaucoup plus ancien, qui remonte vraisemblablement au 9e siècle. Alors, ce périmètre, il est défini, bien sûr, par les bâtiments, mais aussi par toutes les parcelles qui les environnent. On voit derrière les maisons des jardins, on voit des vergers, des petites pâtures entourées par des haies. Et tout ça constitue une auréole fortement arborée, qui contraste d'ailleurs avec les champs qu'on voit à l'arrière-plan. C'est ce qu'on appelle l'auréole villageoise. Alors, je suppose qu'il y a une raison particulière pour laquelle ces villageois se sont installés sur ce versant-là, sur les deux tiers du versant. Quelle est la raison ? Alors, on voit très bien qu'ils ont choisi une position tout à fait particulière sur le versant. À l'avant du village, vers nous, la pente est relativement forte et on voit les maisons qui s'étagent sur cette pente. À l'arrière du village, la pente est beaucoup plus douce. Donc, le village vient véritablement se mettre sur une charnière sur la pente, avec à l'avant-plan une pente forte, à l'arrière-plan une pente douce. Et ces changements de pente correspondent en réalité ici en Lorraine à des changements de roches. On a donc des roches perméables sur la partie haute, des roches imperméables sur la partie basse, et au contact entre ces deux roches naît une ligne de source. Et donc les villageois ont été chercher cette ligne de source, parce que là ils ont une eau de qualité qui va leur permettre de subvenir à leurs besoins en eau, et par contre, ils vont éviter le fond de la vallée qui, comme on peut déjà le voir, est drainé ici par un cours d'eau important, plus humide, avec risque d'inondation. Alors à présent, eh bien, on se trouve en face du village Signy-Montlibert. Le temps s'est gâté, mais ça ne va pas nous empêcher de continuer l'interview. C'est un typique village-rue. Qu'est-ce qui a motivé cette disposition ? Bien avant la densification de l'habitat, on constate qu'il y a véritablement un souci de planification des villages. On a un axe central qui est vraisemblablement un axe de défrichement, à partir duquel on a attribué aux villageois des parcelles perpendiculaires, un petit peu comme les dents d'un râteau, de part et d'autre de la rue centrale du village. Derrière chacune des maisons, séparées de la rue par l'usoire, que l'on a vu tout à l'heure à Torny, on a vu se développer le jardin et puis un petit verger qui forme l'auréole villageoise. Elle représente grosso modo 3 à 10% de la superficie du Fininges, qui lui a une superficie totale d'une centaine d'hectares pour une communauté villageoise à l'origine d'une trentaine de familles. Alors ici en face de nous, un village construit sur un terrain à pente forte, est-ce que c'est typique des villages lorrains ? On a vu effectivement à Velone que certains villages adoptent comme site vraiment la pente forte qui correspond à ce qu'on appelle le front d'une côte. Et on a des alignements de villages qui soulignent véritablement tous ces fronts de côte. La disposition générale du relief ici en Lorraine, ce sont ce qu'on appelle les cuestas, c'est-à-dire des couches inclinées vers le sud. Et les villages vont adopter des sites de contact, soit entre le revers de la cuesta et le front, contact qui est souligné d'ailleurs par des grands cours d'eau comme la Vire, ou alors des petits vallons qui sont incisés dans les revers de Cuesta, comme le village de Blet, ici près de nous. Alors je pense qu'il est également important de parler du finage. Je crois que vous avez vraiment envie de nous en parler, mais qu'est-ce que le finage ? Alors, bien sûr, la communauté villageoise, elle doit tirer sa subsistance par elle-même, puisqu'on est dans une économie autarcique. Les villageois produisent eux-mêmes ce dont ils ont besoin. Et donc, autour du village, on va découvrir toute une série de terres qui vont permettre aux villageois d'assurer leur subsistance. Mm-hmm. Alors, bien sûr, l'essentiel, ce sont d'abord les cultures. On voit très très bien encore aujourd'hui l'importance des champs dans le finage autour du village de Velone. On a besoin également de prairies et on a besoin de bois. Alors, comment ces différentes affectations du sol vont-elles être établies ? Mais on voit très très bien qu'il y a un véritable étagement des affectations en fonction de la pente. Mm-hmm. Le fond de la vallée est majoritairement occupé par des prairies. On le voit encore aujourd'hui. Le caractère humide de ce fond de vallée est souligné aussi par quelques arbres particuliers. On a vu des saules, on peut voir également des peupliers. Autour du village, alors, on voit une ceinture de pâtures. Et puis derrière ces pâtures, sur la partie en pente moins forte du versant, les champs viennent occuper l'espace. Et enfin, les points hauts sont, eux, occupés par les bois. Alors, la répartition des champs, elle se fait évidemment en fonction de la pente. Il ne faut pas que la pente soit trop forte, parce que sinon, surtout dans le passé, évidemment, les attelages pour qui les tiraient les charrues, par exemple, ne savaient pas labourer. Mais il faut aussi des sols suffisamment épais pour pouvoir cultiver des céréales, qui était la culture principale.
Il faut en même temps des sols qui soient bien drainés. Et là, la pente assure évidemment le drainage. Une fois qu'on est sur les sommets, les sols meubles disparaissent pratiquement. On est sur la roche. Et donc là, on a maintenu le couvert forestier initial. À hauteur des bois, sur les sommets, on découvre également des zones beaucoup plus ouvertes, avec une végétation d'herbes et de quelques arbustes. C'était des zones qui servaient de parcours pour le bétail, plus particulièrement pour les moutons, parce que ce sont des pelouses sèches. Et ces zones de parcours appartenaient à la communauté, c'était ce qu'on appelle les biens communaux. Comment conclure, sinon en vous invitant à venir vous-même exercer votre regard dans cette Lorraine belge et française, qui finalement n'est pas bien loin de chez vous, et qui constitue surtout une sorte de conservatoire de ce qu'étaient les paysages wallons il y a moins d'un siècle. Enfin, notre prochaine émission nous aidera à mieux lire un autre paysage rural typique de la Wallonie, celui du Brabant wallon. D'ici là, portez-vous bien, à très bientôt, au revoir.